Bonjour, je me suis dit que j'allais faire une petite présentation de la chaîne. Ça te permet potentiellement, si tu es nouveau, de découvrir ce que je fais, ou potentiellement, si tu es déjà là, mais que tu ne sais pas exactement ce que je fais, de le savoir, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est pas forcément très clair, vu que j'ai un peu changé depuis 2019. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est super simple. Je rush un jeu avec un objectif élevé. Une fois que cet objectif est atteint, une fois qu'on a réussi à tout démonter, qu'on a été là, qu'on a été présent, qu'on a été solide, le but c'est de passer à un objectif soit plus élevé, soit de passer simplement à un autre jeu. Je vais vous donner l'exemple avec le premier rush que je me suis donné, donc c'était le 23 février 2020. On était niveau 28 sur League of Legends, on s'est dit on va passer diamant sur League of Legends. Du coup, on a fait là, 11 jours après au moment où je tourne cette vidéo, on a fait de 28 à 30, de 30 à fer, de fer à bronze, de bronze à argent et d'argent à or. Et là, on est en train d'attaquer le platine. Le but c'est d'avoir un fil rouge conducteur qui est de pouvoir tryhard autour d'un jeu avec un objectif élevé et plaisant à faire évidemment, ce qui me permet de tryhard, de pouvoir démonter un jeu. Mais démonter un jeu c'est bien, mais arrive un moment où on a fait le tour, on se lasse, et oui! Et du coup c'est ça, ça permet également de passer à un jeu une fois qu'on a démonté le jeu et atteint un objectif élevé et conséquent dessus. Mais il n'y a pas que ça, je m'autorise également à faire du contenu sur ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire, donc c'est ce que j'appelle du contenu chill. Bon, vous savez, détendre tout ça, calme, C-H-I-L-L. Le contenu chill, ça peut être pas mal de choses. Ça dépend si ça va en live ou en vidéo, mais dans l'idée, ça peut être de la découverte de jeu. Ça peut être, donc, simplement, on va aller jouer un petit peu à un jeu, une heure, deux heures, voir un petit peu, donner notre avis, s'éclater dessus. Ça peut être d'amener un jeu jusqu'au bout, sans pour autant forcément le tryhard, mais du moins le faire complètement, comme on a pu le faire, par exemple, avec Zelda ou avec Pokémon, où on amenait les jeux jusqu'au bout, pour ceux qui suivent déjà depuis la chaîne YouTube, quand je faisais mes lives dessus. Tout simplement, ça va de partager des coups de cœur, des choses qui me font plaisir, des trucs auxquels je joue et où je me dis tiens, j'ai envie de le partager, c'est un truc qui me fait plaisir. Ça peut également être des vidéos qui vont juste être des talks, un petit peu comme celle-là au final, des facecam, où on va parler d'un sujet d'actu, on va parler de quelque chose qui nous fait plaisir, ou simplement voilà, on va passer un bon moment, je vais faire un petit montage, un petit truc qui me fait plaisir. En termes de rendu, et où est-ce que tu peux trouver quoi? On a différents trucs. Il y a la chaîne YouTube. La chaîne YouTube héberge tout ce qui est vidéo. Incroyable! Oh mais c'est fou! Oh là là, incroyable, je m'y attendais pas. Donc YouTube évidemment est une plateforme de vidéos et dedans on met nos vidéos. Donc qu'est-ce qu'on a comme type de vidéo? On va avoir les best-of, donc les meilleurs moments issus des lives. Idéalement, il y aura un meilleur moment qui est upload tous les 3 jours. Je me suis pas donné une régularité forcément forte, mais globalement je suis quelqu'un qui bosse beaucoup et j'aime bien faire des vidéos, j'aime bien partager. Donc je sais que je vais avoir une régularité dans ces eaux-là, entre une vidéo best-of tous les 2, entre 2 et 4 jours quoi. Outre les meilleurs moments des lives, donc là c'est juste je prends mes lives, je coupe les moments qui m'ont fait le plus plaisir, je les monte ensemble, je fais des petites animations, je mets un peu de musique, et bim, ça fait une vidéo qui est normalement assez courte et agréable à voir. Allez, c'est 1v2, wouhou. Les yeux, tu fites pas, hein. Fais gaffe, hein, mon ami, hein. Ah, tu 1v2, oui. Oui, souvent, ça marche bien, 1v2, c'est le bon point. Ah, ça a raté, dommage. Oh, dommage, ça se faisait tellement la game. Il y a également d'autres contenus, il y a évidemment des contenus chill, donc les contenus sur ce que j'ai envie de vous partager. Par exemple, ça peut être une vidéo sur Clash Royale, sur un mode de jeu qui m'a fait plaisir à jouer. Je me dis, bah bon, tiens, c'était marrant, je me suis amusé dessus, je le partage, et bim, et voilà, donc ça fait une vidéo. Ça peut être un partage un coup de cœur, ça peut être, bah tiens, j'ai découvert tel truc, ça m'a fait plaisir, j'ai envie de le partager. Ah, il a envie, hein, il a faim. Hein. Je veux tuer du bâtiment chez lui, hein. Oh, là, le dragon, il va me mettre quelques coups sur la mèche, mais en théorie, il la tuera pas. Voilà, c'est bon, il la tue pas. On peut repartir en cochon. Et là, comment il gère le cochon? Il a que l'armée de squelettes. Vous êtes prêts? Armée de squelettes dessus. Allez! Allez, la bibuche! La petite bichette qui passe. En termes de contenu live, à l'heure actuelle, ils sont hébergés sur Twitch. Twitch, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme de live. Vous avez juste à taper twitch.tv, ça vous amène directement sur un site. Vous voyez, vous avez plein de lives de tout le monde. C'est une plateforme dédiée live. Pour le moment, je suis dessus. Peut-être qu'un jour, ça sera Mixer. Peut-être un jour, ça sera Caféine. Peut-être un jour, ça sera YouTube sur une chaîne dédiée. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est pas tellement de savoir où
enfin si c'est important ou mais c'est pas tellement la plateforme parce qu'au final on s'en fiche un petit peu, c'est plus de savoir qu'est-ce qu'il y a sur les lives. Donc au niveau des lives, c'est le contenu fil rouge, le rush du jeu avec un objectif, et également les petits contenus à côté, chill, donc découverte de jeu, présentation, on s'éclate sur un truc, voilà. J'espère que c'est super clair pour toi. Si t'as envie d'en parler, n'hésite pas à en parler soit dans les commentaires, soit simplement à venir me retrouver en live et on va discuter simplement. C'est super pratique, j'adore l'aspect live. Des fois c'est vrai qu'on se pose, on joue même pas, on pose le jeu 20 minutes et on fait juste du talk, on discute avec le chat et tout, et honnêtement c'est super kiffant, enfin j'adore faire ce genre de truc. Donc n'hésite pas à venir me faire un petit coucou si t'as envie sur les lives. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et on se retrouve très vite.